Bonjour, tout se passe bien? Alors, nos améliorations avancent bon train, mais nous devons faire mieux pour rester compétitifs. Voici le rapport. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le 13e Grand Prix de cette saison 2016 de Formule 1 depuis le circuit de Spa-Francorchamps. C'est à la maison que l'on va disputer cette 13e manche et c'est surtout l'un des derniers points d'évolution de la McLaren. On va découvrir un petit peu ce qui se passe sur la piste spadoise pour les essais libres du vendredi. Bienvenue sur l'une des pistes les plus imprévisibles du calendrier de Formule 1, bienvenue à Spa. On dirait que les équipes sont en train de retirer les couvertures chauffantes des pneus, donc l'action ne devrait pas tarder à commencer. Le circuit de Spa est l'un des plus iconiques du championnat et le raidillon de l'eau rouge est l'un des meilleurs virages de l'histoire de la F1, un enchaînement gauche-droite-gauche avec un sommet en aveugle. Le raidillon a été le théâtre de grands moments au cours de son histoire et je me souviens notamment du dépassement plus que téméraire de Marc Weber sur Fernando Alonso en 2011. Le public tout entier avait retenu son souffle en voyant Marc attaquer le multiple champion du monde à plus de 270 km/h. On ouvre le bal le vendredi avec la première séance d'essai libre qui est consacrée à la découverte d'une piste que l'on connaît fort bien, donc on ne va pas s'attarder plus longtemps sur cette découverte, même si on va faire quand même ensemble ce tour de présentation. Un week-end qui s'annonce plutôt animé avec des conditions météo changeantes. Il fait pour l'instant bien ensoleillé sur la piste de Spa, mais ça devrait changer pour les qualifications de samedi et surtout pour la course de dimanche qui s'annonce plutôt humide. En attendant, on continue d'évoluer avec une McLaren qui a donc bien besoin d'évolution moteur. Vous le voyez, on va souffrir ce week-end à Spa-Francorchamps. On espère eh bien, changer un peu la physionomie de cette voiture avec la prochaine évolution qui est l'objectif à atteindre. On a besoin pour cela de récupérer 1100 points de recherche et développement et ainsi on pourra faire évoluer la McLaren avant eh bien, une manche décisive pour nous, c'est Monza. Monza qui sera le théâtre, je pense, des dernières évolutions apportées à la voiture. Peut-être que l'on fera encore une évolution du côté de Singapour et ensuite eh bien, on mettra un terme aux évolutions de cette voiture pour se consacrer sur les performances de l'année prochaine. Changement qui devrait aussi avoir lieu dans très peu de temps, c'est-à-dire ce week-end, voire le week-end prochain, c'est le changement de statut au sein de l'équipe McLaren, puisque nos performances plus qu'encourageantes face à Fernando Alonso pourraient nous offrir le statut de premier pilote avant, pourquoi pas, un contrat en vue de l'année prochaine. Pourquoi arrêter la recherche et le développement au niveau de Monza, Singapour? Eh bien, c'est parce qu'ainsi, on peut collecter un maximum de points de recherche pour faire, dès le début de la saison prochaine, évoluer notre voiture en conséquence et ainsi se battre pour le titre si McLaren nous propose bien évidemment un contrat. Au niveau de la rivalité avec Sébastien Vettel, ça n'est pas gagné non plus. On est en passe de perdre le premier duel, mais on va voir si on peut redresser la barre avec ce week-end Spa. Donc on termine la découverte de la piste qui, contrairement à ce que certains pourraient croire, n'est pas parfaite, mais on va récupérer assez de points pour faire évoluer les R&D de cette McLaren. Je pense que ça fait une bonne base pour le week-end. Les résultats de cette première séance avec, vous le voyez, la Scuderia Ferrari aux avant-postes avec Vettel, Sainz plutôt performant, Alonso également. Et dans le coup, nous sommes un peu plus loin avec les pneus médiums 15e et on notera également derrière les difficultés pour certaines voitures comme les Force India ou encore les Williams. Deuxième séance, c'est le vendredi après-midi, on continue à évoluer sous un beau soleil, ce qui nous permet de lancer l'étude de recherche des pneumatiques, la gestion des freins et des gommes sur cette tour. Vous allez voir que ça va plutôt bien se passer. On va compresser cet événement de recherche et développement en un tour complet. On attaque le raidillon. L'occasion de parler un petit peu de cette piste de Spa avec le premier secteur DRS ici dans la montée du Kemmel qui devrait nous offrir, malgré les conditions pluvieuses, de beaux dépassements au freinage des combes. Freinage qui arrive ici, un droite-gauche-droite qui se prend normalement en 3. Ici, on est resté en 4 un peu tard malheureusement. On repasse en 4e pour la sortie de ce droit, on redescend vers l'épingle de Bruxelles, un virage qui à l'époque était entouré de gravier mais qui a été asphalté par la FIA, ce qui permet lorsqu'il pleut eh bien, de parfois aller au large sans forcément mettre un terme à notre course. Le speaker's corner qui, comparé à l'année dernière, certains l'auront remarqué, est un petit peu plus serré. Sur la droite, on a rajouté eh bien, des murs de pneus et cela change un petit peu la physionomie de ce virage où il faut prendre un peu moins de risques. On continue dans le double gauche, le pont, alors que vous le voyez, on a conclu eh bien la recherche
six tours ont été couverts, vous voyez que ça s'est passé parfaitement. On va faire normalement un carton plein, on n'a pas été gêné par le trafic. On a dit qu'il n'y a pas de risque de pluie, évidemment, le soleil nous donne bien évidemment cette information. Devant, eh bien, on est avec des pneus super soft pour bon nombre de pilotes, ce que nous nous réservons pour la troisième séance d'essai libre du samedi matin. On continue avec Blanchimon, vous voyez quelques marbles récupérés sur le train gauche de la McLaren ici. Assez particulier, mais selon le train de pneus, eh bien, on ne va pas pouvoir passer le deuxième gauche de Blanchimon à fond. Certaines fois, il faudra repasser en septième rapport pour éviter de partir trop large, notamment quand il pleut. On ressort de la chicane du bus stop pour découvrir voilà, la fin de notre programme d'entraînement qui s'est très très bien passé. Donc des points très importants pour l'évolution moteur que l'on espère activer avant Monza. Pour cette deuxième séance, c'est Lewis Hamilton qui s'est montré le plus véloce devant Vettel et Rosberg. Belle performance de la Renault de Julian Palmer, mais il était en pneu soft derrière. Eh bien, on continue à évoluer avec les mêmes voitures. Il n'y a pas de grand changement, peut-être un petit peu de retrait pour les Toro Rosso. La troisième séance d'essai libre du samedi matin, et là, une rumeur enfle dans le paddock. Ce serait le dernier Grand Prix de Rio Oriente. Le pilote indonésien, vous le savez, pilote chez Manor depuis Melbourne et le début de la saison. Et il se chuchoterait que pour demain, Manor est en train de déposer une dérogation à la FIA pour faire courir le pilote français Esteban Ocon, puisque Rio Oriente n'a pas rempli les 15 millions de dollars qu'il doit verser à son équipe. Le sponsor ne souhaite plus les verser, donc on va peut-être avoir un limogeage du pilote indonésien. Vous voyez, cette troisième séance est donc dédiée aux pneus les plus tendres, les super soft, avec un ciel un peu nuageux. Ce n'est pas l'idéal, mais bon, ça va encore bien tenir. Il va pleuvoir en fin de séance d'essai libre 3, mais vous ne le verrez pas avant la séance qualificative. Petit blocage à Bruxelles. On revient rapidement sur Esteban Ocon, donc il devrait débuter peut-être en Grand Prix dimanche. On va voir si la FIA autorise Manor à changer son pilote après les qualifications. Vous savez, la réglementation est simple. Si un pilote participe à la qualification et qu'il ne se blesse pas, qu'il est en état, il doit participer à la course. Si un pilote veut se présenter au Grand Prix sans avoir participé aux qualifications, il n'y est pas autorisé. Donc on va voir ce qui va se passer pour que Manor puisse aligner deux voitures, parce que pour l'instant, eh bien, Rio Oriente est sur le banc de touche, il n'est pas dans sa Manor, il n'a plus l'autorisation de monter dans cette voiture. Donc une séance qualificative qui s'annonce tonitruante, on verra qui sera dans le baquet de cette Manor. Portera-t-elle le numéro 88 ou le numéro 31 du pilote français? Réponse d'ici le début de l'après-midi samedi. En tout cas, on termine cette troisième séance avec, vous le voyez, un tour extrêmement rapide. On peut passer en 8ème Blanchimon, hein, ça passe sur le sec. Je vous le disais tout à l'heure, c'était un petit peu et délicat pour Stoffel Vandoorne qui, boosté par son public, devrait faire une belle performance, on l'espère, ici à Spa, même si la McLaren va avoir du mal avec les conditions changeantes. Allez, c'est terminé pour cette séance d'essai libre 3 et l'objectif est bien évidemment rempli par le pilote belge. On découvre le classement de cette dernière séance et de nouveau, eh bien, c'est la bonne surprise pour Ferrari qui se met devant. Bottas remet un peu les pendules à l'heure avec les super softs, même si ça ne reste pas la folie. Les Mercedes sont un petit peu plus loin, malgré les pneus chaussés. Et enfin, derrière, vous le voyez, Rio Oriente est dernier, il n'a fait qu'un tour d'installation. Bonjour, je voulais juste vous transmettre les objectifs attendus par l'écurie pour la prochaine séance de qualification. Voilà les objectifs, se qualifier en 6ème position et terminer devant Alonso et Vettel. C'est l'heure des qualifications à Spa, l'un des circuits les plus impressionnants du calendrier, avec ses collines aux longues lignes droites, le raidillon de l'eau rouge. Âme sensible, s'abstenir. Quand on cherche le chrono, on privilégie généralement les accélérations et pointes de vitesse. S'agit-il seulement de limiter l'appui aérodynamique au maximum et de négocier les virages avec soin pour foncer dans les lignes droites? La vitesse de pointe sera l'objectif principal de tous les pilotes ici. En supposant que leur monoplace soit capable de tenir la route sur le reste du circuit, ils pourront gagner du temps dans les lignes droites. Il sera difficile pour les véhicules les plus lents de trouver des occasions de dépasser leurs concurrents. Veuillez quitter le garage, la monoplace va partir. Samedi après-midi, il fait nuageux sur Spa-Francorchamps et début des hostilités. La séance qualificative débute avec cette Q1. On va pouvoir libérer les pilotes en pneus super soft pour la plupart et tenter de passer en Q2. La Q2 qui s'annonce un objectif tout à fait réalisable pour la McLaren. Malgré son moteur qui commence à se faire vieux, il faut donc travailler pour se qualifier au mieux et ramener un maximum de points de recherche avant donc Monza pour faire évoluer ce bloc japonais. On continue ce week-end spadois devant donc le public tout dévoué à Stoffel Vandoorne. Alors on a déjà réalisé un chrono du côté du pilote belge qui le place 6ème, mais on va tenter d'améliorer.
histoire d'être sûr de se mettre à l'abri. Un passage pied à fond dans le raidillon. Et on a de réelles menaces de pluie pour la suite de cette séance qualificative. Mais on va voir si cela peut tenir au moins jusqu'à la fin de la Q2. On termine la montée du Kemmel. On repasse en troisième ici. On malmène un petit peu le moteur avec un sur-régime nécessaire. Parce que je vous le rappelle, on ne peut pas changer l'échelonnage de la boîte de vitesse sur ces Formule 1. La descente vers l'épingle de Bruxelles. Donc on annonce à Stoffel Vandoorne qu'il reste peu de carburant. Regardez, il y a encore des pilotes de fond de tableau qui sont en train de se placer. On voit notamment Julian Palmer avec la Renault 7e et surtout eh bien, Rio Arianto 9e, l'Indonésien dont je vous parlais il y a quelques minutes de cela. Et qui pour l'instant est dans la manor. Mais cela ne pourrait ne pas durer. On verra peut-être demain si cela change. Ils n'ont pas participé à la troisième séance d'essai libre, pensant que Rio Arianto n'avait plus le droit de monter dans cette manor, mais finalement ce serait le cas. En tout cas, il y a pas mal de choses qui restent en suspens de ce côté-là. Autre petite évolution dont on doit vous parler, c'est que désormais vous aurez moins de difficultés à différencier les pilotes de l'équipe Red Bull, puisque eh bien, désormais Max Verstappen, depuis ce Grand Prix de Belgique, arbore un casque aux couleurs bien plus néerlandaises avec un dessus et un menton orange, de quoi donc le distinguer par rapport à Daniel Ricciardo. Voilà pour les petits détails et les coulisses de ce paddock de Spa. En tout cas, retour au freinage du bus stop dans cette deuxième tentative pour Stoffel Vandoorne, ce qui devrait le mettre bien à l'abri désormais puisqu'il entend une amélioration dans ses secteurs. Et voilà, oui, dixième de mieux, il se place quatrième devant Felipe Massa. Les résultats de cette Q1 avec un surprenant Carlos Sainz, les Toro Rosso fonctionnent extrêmement bien. Le passage en Q2 de Julian Palmer, c'est un petit peu une surprise, mais la Renault semble bien dans ses bottes. Deuxième séance qualificative, la Q2. Désormais, ce sont les 16 pilotes les plus véloces qui ont le droit de s'exprimer en piste. Et pour cela, eh bien, on monte de nouveau les pneus super soft, puisque eh bien, il n'y a pas de restriction au niveau pneumatique, car demain, au moment du départ, les conditions de piste seront pluvieuses, on le sait. Donc quoi qu'il arrive, tout le monde va tenter de se qualifier pour la Q3 et on risque de voir plus de pilotes qu'à l'habitude avec des pneus super soft les plus tendres et donc les plus véloces. Donc ça va être une séance très importante pour demain. On va donner le maximum dans toutes les équipes. Évidemment, pour l'instant, c'est Vandoorne qui est un des premiers à se placer en piste. On va avoir les premiers chronos qui vont tomber dans cette séance qui est redevenue ensoleillée. On s'attendait à une petite pluie et finalement, le vent a tourné tout simplement et le soleil est revenu. Le banc de nuages est reparti de l'autre côté de la piste. Vous savez que Spa-Francorchamps, c'était un petit peu particulier. C'est une cuvette et donc des fois, quand il y a de l'orage ou des nuages, eh bien, ça s'en va et ça revient. Le double gauche toujours très délicat. Oh, ça part au large dans le pont. Et du temps de perdu pour Stoffel Vandoorne. Nico Hülkenberg en 1.57 est en train de signer le premier meilleur temps de cette Q2. Sainz le bas. Et oui, il faut se méfier des Toro Rosso qui sont particulièrement véloces. Le moteur Ferrari de ces Toro Rosso qui évolue bien. On sait que l'année prochaine, ce sera un bloc Renault qui devrait équiper ses voitures. Ça améliore bien pour Stoffel Vandoorne qui pour l'instant place un deuxième secteur dans le mauve. On n'a pas encore vu ni les Ferrari ni les Mercedes. On va voir ce que ces deux équipes nous proposent dans cette Q2. Ce sont les voitures les plus rapides en ce moment. Vous le savez, Ferrari qui devance Mercedes en termes de développement. Un petit peu la surprise de cette deuxième moitié de saison. Max Verstappen qui est l'autre semi-régional de l'étape, vous le savez, puisqu'il est belge de sa maman, qui s'empare du meilleur temps pour l'instant. Est-ce que Vandoorne peut faire mieux? Non, c'est à 4 dixièmes de Verstappen. Les résultats de cette Q2 avec donc Rosberg Hamilton devant. Et la douche froide, elle est un petit peu pour Ferrari avec Sébastien Vettel qui reste bloqué à la 12e place de cette Q2 aux côtés de Fernando Alonso, 11e. Donc chez McLaren, il n'y aura qu'une voiture pour défendre les couleurs de l'écurie britannique en Q3. Et regardez le ciel de nouveau revenu sous les nuages, je vous le disais, le vent tourne. Et on va voir eh bien, qui peut être le plus rapide ici à Spa. Pas de possibilité, je pense, de pole position pour McLaren aujourd'hui. Les moteurs des voitures devant la McLaren sont beaucoup trop évolués. Et la dépendance du moteur sur ce tour est assez importante. Donc évidemment, les Belges sont un peu déçus. Mais je pense que les Néerlandais sont aptes à, pourquoi pas, espérer une pole position de Max Verstappen. Ce serait un événement tout de même. Alors un Belge sur un podium ou gagnant le Grand Prix de Belgique, ça fait longtemps que ça n'était plus arrivé. Puisque ça n'est jamais arrivé, s'il faut remonter à Paul Frère, le pilote journaliste qui avait fait un podium ici. C'était, si ma mémoire est bonne, en 53-54. Pour l'instant, c'est Felipe Massa, le plus véloce. Les Williams, que l'on n'a pas encore beaucoup vu dans cette séance qualificative, plutôt discrète, mais on sait qu'elles sont bonnes lorsqu'il faut eh bien, parler de moteur. On se rappelle de la pole position de Felipe Massa, c'était en Autriche.
On se rappelle également des quelques casses moteurs dont étaient victimes les Williams avec leur bloc Mercedes. C'est vrai que le bloc Mercedes, c'est le moteur qui est le plus cassé cette saison, devant le Ferrari et enfin le Renault. Raikkonen, pour l'instant, l'un des pilotes les plus véloces et les plus rapides de l'histoire de Spa-Francorchamps ici. Il connaît bien, il est également chez lui, le Finlandais, qui donc pour l'instant s'empare du meilleur temps en 1.49.5. Je ne pense pas qu'on pourra descendre sous les 1.50 pour le pilote belge. On me fait mentir puisque c'est Ricciardo désormais et sa Red Bull Renault. Le Badger et Tagueyer qui s'empare de la première place provisoire de cette séance qualificative. Et la fin du chrono de Stoffel Vandoorne. Qu'est-ce que ça va donner pour le pilote belge? Voilà, dernière accélération au DRS et c'est en 1.50.562. Et les qualifications donnent le résultat suivant, c'est-à-dire les deux Mercedes qui verrouillent la première ligne. On avait espéré que Raikkonen puisse à un moment donné se battre, mais il n'en est rien. Kvyat partira troisième aux côtés de Ricciardo et Verstappen cinquième. Ça donne de bonnes idées et de bon augure pour la course de demain. Bonjour, ça va? J'ai des informations sur les objectifs de course qui devraient vous intéresser. L'objectif de ce Grand Prix de Belgique, terminer 8e, se placer devant Vettel et Alonso. Et la faute, c'est qu'il pleut ici à Spa. Comment ne pas aimer le Grand Prix de Belgique? C'est ici que les écuries Jordan et Force India ont décroché leur première pole position avec respectivement Rubens Barrichello et Giancarlo Fisichella. Jordan n'allait pas s'arrêter là et allait décrocher sa première victoire ici en 1998. Spa-Francorchamps réserve toujours des surprises. Que se passera-t-il aujourd'hui? Nul ne peut le dire. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans les Ardennes. Les 7 km de ce tracé, alternant longue ligne droite, virage rapide et grand dénivelé, font de ce circuit l'un des plus passionnants du calendrier et les courses sont toujours de grande qualité. Pour résumer, cet endroit est unique. Nicolas Martin est à mes côtés dans la cabine pour commenter la course du jour. Nous avons un plateau très compétitif ici à Spa. Qu'est-ce qui va faire la différence aujourd'hui à votre avis? Si la compétition est aussi disputée, surtout en milieu de grille, alors ce sont ceux qui sauront préserver leurs pneus avant qui feront la différence. Vous perdez toujours un peu d'appui avant si vous êtes pris dans les turbulences d'une autre voiture, ce qui se traduit par un certain sous-virage et une usure prématurée des pneus avant. S'ils sont trop usés, un arrêt au stand trop tôt peut vous mettre en difficulté. Les pilotes ne devront donc pas être trop agressifs au début du Grand Prix. Rappelle-toi de freiner tôt pour le premier virage. Les pilotes vont se retrouver roue dans roue. Il y a de la place dans la zone de dégagement si ça se corse. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Lewis Hamilton part en pole, suivi de Nico Rosberg. En ce qui concerne le reste de la grille, Kvyat, Ricciardo, Max Verstappen et Raikkonen. Bottas, Massa, Sainz et une McLaren. Alonso, Vettel, Nico Hülkenberg et Gutiérrez. Palmer, Perez, Marcus Ericsson et Romain Grosjean. Verlaine et Arianto. Felipe Nasser et pour finir, Kevin Magnussen en queue de peloton. L'extinction des feux est imminente. Nous allons donc nous rendre vers la piste. C'est passé le démarrage. Tu auras plus d'adhérence qu'au départ, mais il faut faire chauffer les pneus convenablement. Assure-toi de faire chauffer les freins par la même occasion. Fidèle à sa tradition, le Grand Prix de Belgique débute sous les trompes d'eau avec le tour de formation qui vient de débuter. L'occasion pour nous, eh bien, de passer en revue un petit peu ce qui s'est passé lors de cette séance qualificative, laissant le temps ainsi aux pilotes de mettre en température les pneus et les freins, ce qui ne s'annoncera pas chose aisée puisqu'on ne voit pas grand chose dans ces monoplaces. Donc on parle un peu des qualifs. On rappelle que c'est Kvyat qui a placé le troisième chrono. Assez belle performance pour la Toro Rosso. Mauvaise performance pour Vettel et Alonso qui sont donc 11 et 12e. Ils sont restés au-delà du top 10 pour la Q3. Mais bon, Vandoorne étant 10e, Alonso n'a pas à rougir. C'est un peu tout ce que pouvait donner ce week-end la McLaren Honda. Elle ne pouvait pas donner plus. Par contre, du côté de Vettel, c'est un petit peu une déception, mais c'est compréhensible étant donné que Raikkonen est également reculé sur cette grille de départ. La bonne prestation 19e de Pascal Wehrlein, le pilote allemand de la Manor, qui bien va devoir faire avec un nouvel équipier qui partira donc dernier. La grille que vous avez vue n'est pas juste. En tout cas, Magnussen 22e qui continue avec des problèmes moteurs chez Renault hein, depuis la Hongrie. Ça n'est pas la folie pour le pilote de la monoplace jaune qui partira de nouveau dernier ici avec des problèmes lors des
qualification. Il n'a pas pu vraiment participer beaucoup à la Q1 avec une perte de pression d'huile. Que dire d'autre si ce n'est que les performances des voitures habituelles sont respectées, que ce soit les Force India, les Williams ou les Haas. En tout cas, je vois que les pilotes sont dans la descente et il y a beaucoup d'eau également du côté de Pouhon. Un record qui n'a pas été battu, le record était en 1.47 pour Vettel en 2009. On n'a pas battu ce record en qualification malgré ce qu'on pensait avoir avec les nouveaux moteurs cette année. Peut-être pour 2017 avec un passage en courbe plus rapide. En tout cas, pour l'heure, eh bien, il y a une information dont on doit vous parler. C'est le changement qui a eu lieu chez Manor. Puisque ce matin, alors que l'on assistait à une course de monoplace de support de cette saison de Formule 1, eh bien, on a appris le licenciement de Rio Arianto de l'équipe Manor. Il devait peut-être repasser troisième pilote pour la manche italienne et il n'en est rien. Il a été purement et simplement licencié de l'écurie britannique. C'est donc au pied levé que sur la grille de départ, premièrement, la FIA a autorisé un pilote à participer à un Grand Prix en partant à la place du pilote qu'il remplace. Ça, c'est une première dans l'histoire. Deuxième chose, eh bien, c'est que nous avons désormais dans ce peloton de Formule 1 deux Français, Esteban Ocon, qui rejoint donc Romain Grosjean sur la grille de départ. Et on devrait donc assister à une saison complète désormais du pilote français chez Manor, qui devrait rester jusqu'à la fin de cette saison 2016. On n'en sait pas plus. On a parlé également d'autres pilotes qui pourraient remplacer provisoirement Esteban Ocon et Rio Arianto, mais il n'en est rien. Donc pour l'heure, on a un deuxième Français sur cette grille de Spa-Francorchamps, grille qui est en train de se former sous les trompes d'eau. On est en condition extrême ici. Il risque d'y avoir de la tension au départ. On se retrouve tout de suite donc pour vivre le début de cette 13e manche de la saison ici sous les trompes d'eau à Spa. Ah, to be honest, it's almost red flag conditions, to be honest. It's really difficult to see the car in front of me, really, guys. Et le départ est donné. On cherche à garder le grip et ça s'envole bien devant pour Lewis Hamilton qui devrait garder la tête face à Nico Rosberg. Bon départ également de Daniel Viat derrière les Williams qui tente de se placer. Bon départ de Julian Palmer à l'intérieur. Et ça passe sans problème à la source. Ouais, Stoffel Vandoorne qui est emmené au-delà de l'AstroTurf. Derrière, on voit Fernando Alonso en difficulté avec Vettel qui se bat avec l'une des Renault et je crois Sergio Perez. Le passage aurait dit, on s'est très serré avec Carlos Sainz et Felipe Massa. Et devant Lewis Hamilton qui a donc pris la tête. Vandoorne qui reste devant Alonso. Il y a beaucoup d'eau. Oh, et l'attaque de Nico Rosberg à l'intérieur peut-être pour prendre la tête de ce Grand Prix de Belgique. Derrière, l'explication entre la voiture de Sainz et la Williams de Massa. Derrière, Raikkonen va encore perdre une position. Oui, et Vettel aussi. Et du coup, voilà, Massa qui s'est un peu loupé. Il se fait dépasser par Vandoorne qui entre désormais à la 9e place dans le 2e secteur. Ça se passe sans problème. On s'attendait à des contacts. Il n'y en a pas eu. Le peloton a été plutôt sage au départ de ce Grand Prix de Belgique qui s'annonçait assez mouvementé. L'attaque dans le speaker's corner peut-être pour Vandoorne qui fait l'intérieur et ça passe. Sainz qui cède la 8e place. Il est donc désormais derrière Valtteri Bottas, le pilote finlandais qui s'est également bien envolé. Oh, et derrière ça perd des places pour Massa. Il doit y avoir un problème. Alors qu'on embarque avec la voiture de Vandoorne, vous voyez, on ne voit pas grand-chose et ça glisse énormément pour toutes les voitures. De véritables équilibristes ces pilotes dans ces conditions ici à Spa. Et le peloton qui reste extrêmement compact, on n'a perdu personne. Pour l'instant, ils sont toujours 22. Et vous voyez donc les traces dans lesquelles on essaie de se placer pour avoir un minimum d'eau sous les roues. Et en tête, donc c'est Lewis Hamilton qui mène le peloton devant Nico Rosberg. Troisième place pour Viat qui est resté devant Ricciardo et Verstappen. Les deux Red Bull qui sont passés devant Raikkonen. Ça se passe convenablement pour l'instant. Premier passage à Blanchimont. Il y a beaucoup d'eau ici aussi également. On va devoir prendre toutes les précautions pour freiner au bus stop, ce que fait Lewis Hamilton qui a su tirer profit de sa pole position et qui donc conclut le premier tour de ce Grand Prix de Belgique en tête devant Nico Rosberg. Ils sont déjà en train de partir puisque derrière il y a un bouchon russe. C'est Daniil Kvyat qui retient un petit peu le peloton, en tout cas les voitures un peu plus rapides. Premier tour couvert donc, on est avec Stoffel Vandoorne qui bloque les roues à l'épingle de la source alors qu'il cherche à attaquer Kimi Raikkonen devant Valtteri Bottas désormais. On n'a pas vu le dépassement du Belge sur le Finlandais. On est dans le raidillon. Et c'est délicat, c'est délicat. Alors que devant, ça y est, le premier pilote à dépasser, c'est Ricciardo.
Et il prend la troisième place, peut-être à Daniil Kvyat qui va résister. Le russe, il n'a rien à perdre absolument. Et ça peut passer. Et oui, il reste troisième, Kvyat. Bien joué. Alors que derrière, eh bien, tout le monde se resserre avec cette perte de temps. Et peut-être l'attaque au freinage sur Raikkonen, ça passe. Oh, il va aller chercher Verstappen au freinage de Bruxelles. Oh, et deux d'un coup là pour Van Dorn. C'était osé. Oh, est-ce qu'il va également aller chercher la voiture de Ricciardo? Ce serait un petit peu présomptueux là. Eh, hey, ça passe. Ils sont côte à côte. Est-ce que Ricciardo va rester devant? Non, c'est fait. Stoffel Van Dorn qui s'empare de la quatrième place. Est-ce que Raikkonen peut peut-être à l'extérieur aller chercher le pilote australien? Oui, dans le pont, c'est bien joué. Oh, et il referme la trajectoire Raikkonen juste aux côtés de l'Australien. Contact entre les deux voitures, attention. Et Raikkonen qui va peut-être perdre une position au profit de Max Verstappen. Oh, c'est très serré entre ceux-là. Il ne faut pas que ça termine mal cette aventure. Et Raikkonen qui reste devant. Sous les yeux médusés de Bottas qui a vu les deux voitures se toucher devant lui. Et vous voyez donc le casque désormais bien néerlandais de Verstappen. En tout cas, eh bien donc Van Dorn est passé quatrième devant Ricciardo, Raikkonen et Verstappen. Va-t-il maintenant réussir à aller chercher Daniil Kvyat? Regardez l'écart pris par les Mercedes qui sont totalement au-dessus du peloton, sauf voiture de sécurité. Difficile de voir qui pourrait aller les chercher. Vous constatez également qu'on est obligé de repasser en 7ème vitesse pour passer blanchiment. Ça ne passe plus, piaf! Nouveau tour couvert avec désormais la caméra embarquée sur l'arceau du pilote allemand. Nico Rosberg à la chasse de son coéquipier, bien loin des problèmes du peloton. On va vivre ensemble l'attaque du Raidillon en caméra embarquée avec, avec Nico. Ça passe quand même très très fort. L'attaque peut-être de Rosberg pour la tête de ce Grand Prix de Belgique à l'intérieur. Le pilote allemand qui se présente, est-ce qu'il peut passer Lewis Hamilton? Ils sont côte à côte, attention à ne pas se toucher et rééditer les exploits de l'année dernière. Et ça n'est pas passé. Rosberg qui a préféré soulager, laissant l'avantage à Hamilton. Mais les conséquences sont là. Il a perdu une bonne seconde. Derrière, celui qui perd du temps, c'est Daniil Kvyat, toujours en difficulté. En tout cas, il tente de se défendre avec les armes dont il dispose, c'est-à-dire une Toro Rosso bien limitée. Même si elle a beaucoup de couple et que le moteur Ferrari fonctionne bien sous la pluie, eh bien le Honda est un peu plus à l'aise pour l'instant. Attention au survirage de la voiture de Stoffel Vandoorne sur le vibreur dans la descente du Speaker's Corner. On est extrêmement limité au niveau des conditions de météo. On va faire un petit point pour l'instant. Il devrait, je dis bien devrait, y avoir une amélioration d'ici un quart d'heure à 20 minutes. C'est ce que nous annonce le petit aéroport du côté de Stavelot. Puisqu'on sait prendre nos informations où il faut, nous. On a notre petit réseau et au passage, sachez qu'il y a des responsables de certaines équipes qui se placent eh bien, de l'autre côté du circuit, dans les tribunes. Ça, on a appris aussi. Il y a, je crois, on m'a laissé entendre du côté de chez McLaren eh bien, qu'il y avait un responsable présent dans une tribune à Blanchimont et dans une tribune du côté eh bien, du freinage de Bruxelles pour voir ce qui se passe au niveau de la météo et ainsi informer en temps réel l'équipe. Sachez que ça se faisait il y a encore 20 ans de cela. Avec les premiers téléphones portables et les talkie-walkie, en tout cas. Un retour en caméra embarquée. Et Van Dorn qui cherche toujours l'ouverture. Et ça s'impatiente derrière, évidemment. On voit Raikkonen, l'attaque peut-être ici de Van Dorn, devant notre cabine. Voilà, il passe devant nous. Est-ce qu'il peut freiner à l'intérieur le pilote belge? Attention, parce qu'il y a un peu plus d'eau. Et non, on ne prend absolument aucun risque du côté de chez McLaren. On sait qu'on ne peut pas se louper devant un tel public. La pression pour Van Dorn, premier Grand Prix à domicile. Et il va peut-être aller chercher la Toro Rosso dans le Raidillon. Non, il ne peut pas, il n'y a pas la place. Oh, le freinage de Daniil Kvyat. Et oui, évidemment, Van Dorn obligé d'aller mettre les roues au-delà des limites de la piste parce que là, Kvyat qui a freiné. Plus que deux raisons et c'est Raikkonen qui va en profiter. Le Finlandais qui à l'extérieur s'empare de la quatrième place du Grand Prix. Alors, si Van Dorn n'y parvient pas, il va peut-être demander à Raikkonen de tenter sa chance. Derrière, l'autre Toro Rosso, celle de Carlos Sainz à la bagarre avec Valtteri Bottas. On est derrière le peloton que l'on suivait à l'instant et les Red Bull. Ouais, ça reste correct pour l'instant. Pas de contact. Retour avec Van Dorn qui a donc laissé sa chance à Raikkonen mais qui ne semble pas prêt à vouloir y aller. Et on va pas rester longtemps à attendre du côté de Van Dorn. L'attaque dans le Speaker's Corner. Oh, ça ne passe pas. Raikkonen qui ouvre. Et Van Dorn qui peut passer peut-être à l'intérieur. C'est fait. Raikkonen qui a perdu beaucoup de temps.
Est-ce que derrière, Daniel Ricciardo peut retirer profit de cette perte de vitesse? Rien n'est moins sûr, les deux Red Bull qui restent en position d'attente pour l'instant dans ce Grand Prix de Belgique. On rappelle, 22 tours à couvrir, il n'y a pas beaucoup de tours et les tours sont extrêmement longs. Et un des Grands Prix qui sera les plus longs, si ce n'est le plus long de la saison, parce que avec la pluie, on tourne moins vite. Et ça risque d'être un peu plus long, on risque de ne pas dépasser le temps homologué pour un Grand Prix qui est de 2 heures, mais... Il sera long et difficile ce Grand Prix. Alors, Viat qui résiste toujours à l'envahisseur belge. Oh, attention, Van Dorn qui va mettre deux roues dans les vibreurs. Là, c'est pas l'idéal là. Attention à ne pas surpiloter non plus. Ouais, de nouveau proche de l'herbe ici. Allez, la sortie de Blanchimont, c'est que c'est un secteur qui convient bien à la McLaren, plutôt à l'aise sur les freinages. Et pour l'instant, toujours des conditions de pneus pluie, même si ça s'est un peu calmé hein, devant nous. La piste reste très mouillée, mais on voit une trajectoire qui se dessine, vous le voyez, signifiant eh bien qu'il y a un petit peu moins de pluie qu'au départ. Alors, est-ce que Van Dorn peut tenter sa chance sur Viat? Il va falloir y aller à un moment donné, mon cher Stoffel, si on ne veut pas voir les Red Bull et la Ferrari repasser. Il est bien passé, là, Stoffel, à la sortie de la source, il est à l'aspiration, est-ce qu'il peut aller porter l'attaque? Il se porte au niveau de Viat dans le radio, ils sont côte à côte! À l'extérieur, la McLaren qui ne peut pas compléter son dépassement sans passer au-delà de la limite de la piste. Si, c'est fait. Van Dorn qui est passé à l'extérieur dans le rayon. Superbe dépassement. Est-ce que désormais Gviat peut récupérer une vitesse de pointe suffisante pour passer? Oui, Raikkonen également. Et deux positions de perdu pour le pilote belge alors qu'on attaque le secteur des combes. Mais que c'était joli ce dépassement à l'extérieur et osé, surtout dans de telles conditions. Van Dorn qui nous aura fait rêver sur ce dépassement, mais malheureusement le résultat est là. Il faut désormais passer par le cinquième rang. Oh, attention parce qu'il s'énerve peut-être là après avoir perdu deux places à l'extérieur sur Raikkonen. Ça peut-être le faire pour Van Dorn qui a pour l'instant le couteau entre les dents ici à domicile. Et ça passe, récupération de la quatrième place. Et cette explication absolument incroyable entre Gviat, Raikkonen, Van Dorn et les Red Bull qui continuent dans ce Grand Prix de Belgique alors que devant eh bien, les deux Mercedes sont en train de prendre la poudre des scampettes. On se demande si on va pouvoir aller les rechercher aujourd'hui. Et là, c'est Gviat qui prend un peu d'avantage. Est-ce que ça peut passer? Attention, Ricciardo à l'extérieur sur Raikkonen. Et le pilote australien qui emmène le Finlandais. Et ça peut passer là pour Ricciardo. Ils sont côte à côte et c'est fait. Raikkonen qui abdique alors que vous voyez que Van Dorn est en grosse difficulté. Ça glisse dans tous les sens pour... Les pneus pluie qui commencent mine de rien à s'user. Oh, attention, Van Dorn qui va mettre 4 roues dans l'herbe là. Ça n'est vraiment pas conseillé, ça va profiter à la Red Bull. Voilà, de Ricciardo qui elle est bien sorti du virage, du raccordement à l'extérieur. Peut-être du côté de Blanchimont, ça ne peut pas passer. On s'est ravisé, Max Verstappen lui je pense y serait allé. Mais Ricciardo, pris de raison, a préféré avorter la manœuvre. La piste est en train de sécher, on va peut-être bientôt pouvoir changer. Alors qu'on dit bien à Stoffel Van Dorn que ça sèche, hein. Il pleut peut-être, mais je ne vois pas que ça sèche personnellement, si vous voulez mon avis. Mais la pluie est d'une intensité plus faible. Votre équipier de 2,9 secondes. Et pour l'instant, personne n'a opté pour la voie des stands. Allez, on repart avec Raikkonen juste derrière ce petit peloton. Derrière Ricciardo qui désormais l'a dépassé. Est-ce que la Ferrari peut profiter de sa vitesse de pointe dans la montée pour revenir? On ne sait pas. Par contre, Van Dorn lui revient. Et même très très fort sur Gviat qui semble un peu plus lent. Ah, le russe qui est au ralenti, que se passe-t-il? Et est-ce que la troisième place va s'adjuger à nouveau non? Oh non, il freine trop tard, Van Dorn. Et Gviat qui repasse. On est avec l'hélicoptère pour voir ce qui s'y passe. Et malgré tout, est-ce que Van Dorn ne serait pas passé au-delà des limites de la piste là? À mon avis, il était devant. Bien devant Gviat au moment où il a raté son freinage. Bon, écoutez, on va dire que Van Dorn est devant. Même si là, je pense que la direction de course pourrait se pencher sur le cas du dépassement de Van Dorn. Mais il semble légitime pour l'instant. Et donc voilà, vous le voyez, le troupeau est désormais mené par Van Dorn qui vient de faire sauter le bouchon Gviat. Et regardez, il y a 10 voitures qui se suivent de manière extrêmement serrée au niveau... De la stratégie, eh bien on commence à songer aux intermédiaires peut-être. On voit que chez Mercedes, on prépare
des couvertures chauffantes dans les box. On les voit depuis notre cabine. C'est une des rares équipes que l'on peut suivre depuis notre cabine, puisqu'on est assez mal placé ici à Spa, juste au-dessus de la pit lane, et on ne voit pas grand-chose de ce qui se passe au-delà de Mercedes et de Ferrari. Peut-être Red Bull un petit peu, mais on ne peut vous dire que ce qui se passe dans l'équipe britannique est désormais Hamilton bien en tête, va pouvoir continuer avec les pneus pluie. On ne change pas encore, peut-être d'ici un ou deux tours, parce que là, voilà, la pluie s'est bien calmée et la trajectoire sèche très vite ici, même si on passe moins souvent vu la longueur du tracé, on rappelle, hein, 7 km et 4 mètres. Alors, pour Van Dorn, eh bien, ça continue dans ce sixième tour. Personne ne rentre pour des intermédiaires. C'est vrai que c'est un petit peu tôt, peut-être, ça glisse encore beaucoup. On t'attend dans deux tours environ, on te mettra les pneus intermédiaires. Et vous voyez que ça bloque les roues à la source, et on dit à Van Dorn qu'on l'attend dans deux tours. Alors, deux tours, c'est un beau délai. On repart un peu plus loin dans ce Grand Prix de Belgique avec Romain Grosjean, à la lutte avec son coéquipier Esteban Gutiérrez. Attention dans le rayon, les deux As qui se chamaillent bien depuis le début de saison. C'était également le cas en Hongrie et en Allemagne, même si Romain Grosjean a eu une course un peu plus courte en Allemagne. Oh, l'attaque peut-être de Grosjean. Et bien voilà, dans la montée du Kemmel, sans DRS on le rappelle, et c'est passé. Romain Grosjean qui s'empare de la place de son petit camarade. Et là on joue pour les accessibles, puisqu'on joue pour la 16e place. Allez, avec Van Dorn désormais retour en tête de course, il est 3e, le pilote belge. À la sortie du speaker's corner, il parvient à s'extraire du peloton, tout comme Daniel Ricciardo qui vient de passer Dani Viviat. Eh bien, ça continue dans le bon sens. On est sur de la pluie fine pour l'instant. Dit-on à Stoffel Vandoorne qui devrait opter pour un arrêt au stand assez rapidement. Et bien voilà, l'arrêt programmé du pilote belge devant. Ça continue de se battre. Et derrière aussi, Raikkonen sur Viat. Et bien voilà, Ricciardo est passé. Est-ce que désormais Raikkonen peut prendre l'avantage sur Viat? On va suivre ça attentivement. Freinage du bus stop. Ah, on ne le verra pas malheureusement. Et ça rentre au box pour Van Dorn. On va aller chercher les pneus intermédiaires pour Stoffel Van Dorn, alors que ça n'est pas rentré pour aucune des deux Mercedes. Le premier à chausser les intermédiaires serait Stoffel Van Dorn, du moins en tête. Et il y a une autre voiture qui rentre, je crois que c'est une Force India. Et effectivement, on voit les mécaniciens de Sergio Perez qui s'apprêtent à recevoir le Mexicain. On est prêt aussi chez Haas. Et les intermédiaires sont montés chez Van Dorn, qui va suivre dans cette bagarre. Il va repartir très loin. Il est 16e aux alentours de Nico Hülkenberg et d'Esteban Gutiérrez, les deux Haas. Et bien non, puisqu'il rentre chez Haas. C'est Romain Grosjean le premier, alors qu'il était devant Gutiérrez. C'est normal. On est 14e. Hülkenberg devant. Il chausse des pneus pluie usés. L'écart avec la voiture derrière nous est de 11,7 secondes. Il chausse des pneus pluie usés. Fin de notre stratégie pour l'instant. Tâche de conserver ses gants jusqu'au bout. Il reste encore 15 tours. Eh oui, on souhaite bon courage à Esteban Ocon, dont c'est le premier Grand Prix avec l'équipe Manor. Ça s'annonce une tâche compliquée vu les conditions. On jettera bien évidemment un œil attentif au résultat du Français à la fin de cette épreuve. Les pneus intermédiaires pour Van Dorn, vous voyez que ça glisse beaucoup. Mais ça semble être la solution, puisque devant on est un petit peu au ralenti. Oh, et l'abandon de Sergio Perez. Et oui, on voit que ça s'est arrêté du côté drapeau jaune dans le secteur 22. Oui, c'est du côté du double gauche et l'arrêt du leader. L'arrêt du leader. Lewis Hamilton qui va rentrer chausser les intermédiaires, ce qui veut dire que Nico Rosberg va devoir faire un tour supplémentaire avec ses gommes pluie. Et c'est désormais lui, voilà, qui vient de passer en tant que leader dans ce Grand Prix de Belgique. On repart du côté d'Hamilton et regardez l'écart qui sépare les Mercedes du reste du peloton. C'est assez impressionnant. Et voilà la sortie de la pit lane pour Lewis qui repart donc deuxième. Derrière, Alonso rentre au box. Et ça n'est pas le seul. On voit Palmer qui rentre aussi. Bottas, Viat au box. Voilà Valtteri Bottas qui chausse les intermédiaires. On voit Julian Palmer dans le fond de l'image. On a vu eh bien, Nico Hülkenberg. Alors que son équipier est en train de passer derrière les barrières de pneumatique du Pouhon. Double arrêt chez Renault, on perd du temps chez Hülkenberg. Que se passe-t-il? Oui, on met un nouveau museau à la Force India qui est entré en contact avec Palmer. Palmer justement sort des box. Ici c'est Magnussen.
On voit le Brésilien Felipe Nasser également qui va rentrer. Ça sort pour les Manor. Double arrêt chez Manor. C'est le premier, je pense, depuis le début de la saison. On a fait rentrer en même temps Ocon et Verlaine. Pascal Verlaine qui fait un très beau Grand Prix de Belgique. Pour l'instant, il est aux alentours du 13e rang. Et on revoit, voilà ce qui s'est passé pour Sergio Perez, le bloc moteur de la Force India, qui rajoute un panache à l'arrière de la monoplace. C'était déjà de l'eau. Maintenant, il y a la fumée en plus. Et on s'immobilise et les commissaires vont pouvoir venir intervenir. On écoute le moteur. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé, mais ça semble être une belle salade de Biel pour le pilote mexicain qui, comme son équipier, n'a pas de chance. Il y a au moins un moteur qui casse chez Force India par Grand Prix. Alors que là, c'était la grosse dérive pour Van Dorn. Avec les intermédiaires, il y a encore beaucoup d'eau malgré tout. Et regardez, certains pilotes sont toujours en pneu pluie. Hein. Il y a Sainz, il y a Massa. Et ça va seulement rentrer maintenant pour Nico Rosberg. Rendez-vous compte. Deux tours pleins et deux tours, c'est long à Spa. C'est quasiment en plus de 4 minutes dans ces conditions-ci. Eh bien, Rosberg rentre seulement monter les pneus intermédiaires. On essaie de chercher Lewis Hamilton alors que derrière, ça rentre pour, je crois, Max Verstappen. Vous le voyez avec son nouveau casque tout d'orange vêtu. Et Kvyat qui va aussi observer son arrêt. Donc on est rentré très très tard chez certains pilotes. On s'attend également à recevoir Felipe Massa puisque Bottas a déjà observé son changement de gomme. Allez, on perd un peu de temps avec Kvyat qui passe. Et le classement est désormais le suivant. Donc avec en tête Lewis Hamilton devant Nico Rosberg, Ricardo est quatrième derrière Van Dorn. Mais désormais les voitures sont bien espacées. Au derrière on a Sainz et Alonso. Ces deux-là ne se lâchent plus décidément. Ça fait quelques grands prix que les deux pilotes ibériques s'expliquent. Et non, autant pour moi, c'est Daniil Kvyat. Alors comment Daniil Kvyat est là? C'est Sainz qui était au box alors. On a eu la mauvaise information sur notre écran, désolé. Je pensais que c'était Sainz, mais on ne voit pas grand-chose avec la pluie. Même si elle s'est calmée, eh bien non, mea culpa, c'est bien. Et Daniil Kvyat, donc Alonso. Mais où est Alonso? Que fait-il? Alonso qui est en train de se placer à une place incroyable pour l'instant avec les arrêts au stand. Et voilà, Hamilton qui conclut un nouveau tour en tête, cette fois-ci avec les intermédiaires chaussés sur sa Mercedes. Et on voit désormais l'écart qui le sépare de Rosberg avec les deux tours supplémentaires qu'a dû prendre le pilote allemand. On l'a vu, voilà, brièvement, Rosberg passer au transpondeur derrière Hamilton qui descend vers le raidillon. Et il est en maîtrise, le pilote britannique. Derrière, oh, c'est un peu moins la maîtrise là pour Van Dorn qui arrive tout trou bloqué à la source alors qu'en 2.06.427, c'est désormais Raikkonen le plus rapide avec la Ferrari. Et c'est toujours très impressionnant ces passages au raidillon de l'eau rouge. L'attaque peut-être sur Kvyat, Alonso. Et là, normalement, ça devrait passer pour le double champion du monde espagnol. À l'intérieur, il a l'avantage. Kvyat qui résiste. Oh, qui résiste même beaucoup. Ouais, et Kvyat qui garde sa position. Et Alonso qui doit se raviser. On est derrière avec Verstappen. Retour avec Van Dorn dans le 11e tour de ce Grand Prix de Belgique. On est à mi-course. C'est toujours extrêmement disputé dans le milieu du peloton. Devant, ça s'est un petit peu effilé avec donc les deux Mercedes devant Van Dorn. Mais rien n'est joué pour la 3e place. On sait que Ricciardo va revenir avec des pneus un peu plus frais que Stoffel. En tout cas, pour la lutte qui oppose Alonso et ses petits camarades, la décision est encore à prendre. Derrière, on est avec Massa, Palmer, ce qui semble être Romain Grosjean et Sébastien Vettel, plutôt bloqués là derrière des voitures un peu plus lentes. Le pilote Ferrari qui a peut-être raté son arrêt au stand et il s'est retrouvé bloqué derrière des voitures plus lentes, pourquoi pas. Ce serait une bonne explication de la place occupée actuellement par le quadruple champion du monde allemand. Et quand on est à Spa-Francorchamps, on ne peut pas faire sans penser à Michael Schumacher qui continue de se battre et à qui on pense beaucoup. C'était ici qu'il avait commencé sa carrière il y a 25 ans de cela. C'était en 91 avec une Jordan. Abandonnant après quelques tours sur problème d'embrayage dans la descente où vient de passer d'ailleurs
Stoffel Vandoorne, l'autre Manor. On a vu tout à l'heure Esteban Ocon. Ici, on est avec Pascal Wehrlein qui continue de se défendre face au Renault. Et surtout à son équipier derrière lui qui, pour l'instant, est bien derrière. Esteban Ocon qui continue son apprentissage. Hein, on rappelle Esteban Ocon du DTM notamment, du GP3. Et cette titularisation un peu sur le tard ici à Spa. Il sera peut-être un peu plus dans son élément à Monza, un peu plus simple également. Avec une météo qui s'annonce eh bien, plutôt bonne à Monza. On a vu les premières prédictions météo et ce sera autre chose que cette piste de Spa totalement détrempée. 2.06 pour Hamilton. Le Britannique continue son évolution et il fait ça dans les règles de l'art. Il enchaîne les tours derrière. Retour sur la lutte entre le Français et l'Allemand. Est-ce que la solution peut être trouvée par Vettel? Freinage de la chicane du bus stop. On va voir ça. Regarde Julian Palmer qui n'est pas le plus rapide avec la Renault dans les conditions humides. Et non, ça ne bougera pas. C'est difficile désormais avec les pneus intermédiaires de sortir de cette trajectoire pour aller mettre de roues où il y a un peu plus d'eau et où on risque eh bien, l'aquaplaning. Tu es à la troisième place, troisième. Rosberg est devant toi. L'écart avec le pilote de devant est de 10,6 secondes. Ils ont de nouvelles gommes intermédiaires. L'écart avec la voiture de derrière est de 2,4 secondes. Ils ont de nouvelles gommes intermédiaires. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ces gommes. Plus que 10 tours restants. Et vous le voyez dans le radio, on est obligé de soulager, ça ne passe plus pied à fond, on doit redescendre en 7. Alors, Romain Grosjean doit de nouveau résister à un assaut de Sébastien Vettel dans la montée du Kemmel. Là, c'est un peu plus à l'avantage de la Ferrari, à l'aspiration, sans DRS, on le rappelle. Eh non. Oh, par contre, Grosjean, lui, va y aller. Grosjean qui se place à l'intérieur face à la voiture de Julian Palmer. Oh, et pour Grosjean, ça ne passe pas et Vettel ne peut pas en profiter. Mais c'était bien tenté de la part du pilote de la Haas. On retourne dans la lutte qui oppose Kvyat à Alonso. Vettel toujours derrière. Non, je pense que Vettel est peut-être passé sur Grosjean. Il y a peut-être eu un problème sur notre écran. Puisqu'on nous met Vettel devant Grosjean à surveiller. En tout cas, la lutte dans le troisième secteur. Ici, on est à Blanchimont avec Verstappen qui suit la lutte entre le Russe et l'Espagnol. Et derrière, eh bien, il y a un autre Espagnol. C'est Carlos Sainz qui reste en observateur. En tout cas, nouveau tour couvert ici. On voit dans le fond d'image la Williams qui est en train également de crouler au classement. Heureusement que Bottas est devant tout ce petit monde pour sauver la face de l'écurie britannique qui s'attendait à Spa avec du soleil et pouvoir montrer que leur vitesse de pointe n'avait rien à envier aux Ferrari et aux Mercedes, mais ça n'est malheureusement pas le cas. La montée du Kemmel, vous voyez un petit point sur les températures et les pneus de Vandoorne dans la descente. Allez, avec Alonso qui devrait cette fois-ci, pourquoi pas, trouver l'ouverture. Vandoorne a pu doubler Kvyat. Alonso peut tout à fait aller le faire. Il est bien sorti du raidillon. Oh, et à l'extérieur, ça c'est très bien joué. Et c'est passé. Et derrière, Verstappen qui, opportuniste, passe également sa petite sœur, la Toro Rosso. Et bien voilà, donc Alonso désormais devant Verstappen. Et les deux machines italiennes reculent de position. Et bien voilà, c'est chose faite. Alonso qui continue à progresser. Et bien, on attend beaucoup d'Alonso, notamment à Monza, avec l'évolution moteur, l'une des dernières dont devrait disposer cette année. Eh bien, McLaren Honda. On rappelle que l'année prochaine, eh bien, le duo devrait rester le même. On fait un point un peu sur les transferts pour l'année prochaine. On parle de plusieurs rumeurs. On parle de Nico Hülkenberg chez Renault. On parle de Pascal Wehrlein chez Force India. Ce sont des choses qui devront être étudiées avant le début de l'hiver. On vous tiendra au courant évidemment des transferts. Voir Esteban Ocon chez Manor en titulaire, on ne sait pas, il y a encore beaucoup de questions. C'est la silly season comme on appelle cela en Formule 1, c'est-à-dire la rentrée de septembre avec le Grand Prix de Belgique et d'Italie qui est souvent le théâtre des confirmations des pilotes. On sait déjà que c'est sûr pour l'année prochaine chez Mercedes, même duo de pilotes chez Ferrari, chez Red Bull, peut-être chez Toro Rosso où Pierre Gasly devrait rester si Daniel Kvyat continue à faire une telle saison. Et eh bien Pierre Gasly resterait troisième pilote. On n'aurait pas trois Français en Formule 1 l'année prochaine. Attention. Et eh oui, les pneus intermédiaires ne sont pas éternels. Et on remet un train de pneus neufs chez Kimi Raikkonen, qui je crois est le premier à rentrer. Alors regardez, on est prêt également chez Williams. C'est pour Bottas. On a vu passer Alonso qui du coup est libéré un petit peu de la pression.
Oh, et la Red Bull devant, c'est je crois Verstappen, oui, qui rechausse des intermédiaires. On a, eh bien, je crois une Haas qui rentre. Voilà, Romain Grosjean, c'était Gutiérrez qui est passé dans la pitlane. La dernière Force India, celle de Nico Hülkenberg, rentre aussi. Voilà, changement classique, on remet des pneus intermédiaires neufs pour aller au bout de ce Grand Prix de Belgique pour tout le monde. Difficile d'aller au bout avec les gommes qui ont été montées il y a de cela 6-7 tours. Vous voyez que ça commence à glisser. Alors, la bagarre pour la troisième place fait rage. On a vu Ricardo qui revenait sur Van Dorn. Ici, on est avec le Suédois Ericsson qu'on n'a pas encore vu dans ce Grand Prix de Belgique. Course correcte pour l'instant. On a entre aperçu Nasser. L'arrêt pour la voiture de Pascal Wehrlein qui continue à bien tourner. Beau Grand Prix pour la Manor. Alors, la lutte avec les pneus qui sont en bout de course pour Van Dorn et pour Ricardo. We can stay with these inches, but we have to do one more pit stop, I think. One more pit stop to do. Ça glisse beaucoup. Pour avoir un double arrêt, on est avec Ricardo maintenant. La dérobade de Van Dorn, Ricardo va en profiter. L'attaque de l'Australien qui passe troisième. Et voilà. Alors maintenant, est-ce que ces deux-là vont rentrer en même temps? Est-ce qu'il va y avoir un undercut? Je pense que si Ricardo plonge, Van Dorn va faire pareil afin d'éviter de perdre plus de temps. Et ça rentre pour les deux voitures évidemment. On calque la stratégie pour la troisième place du côté de McLaren. Attention à ne pas dépasser la vitesse autorisée. Voilà, c'est passé correctement pour les deux pilotes. Et début de pit lane pour Ricardo. Il ne gêne pas Van Dorn, donc on le voit correctement changer ses pneus. Dernier arrêt pour Van Dorn, 2 secondes 4, bel arrêt chez McLaren. Et ils repartent derrière Kimi Raikkonen qui n'a pas encore observé son arrêt au stand. Alors logiquement, là on a Ricardo et Van Dorn qui vont se battre pour la seule place derrière les Mercedes possible sur le podium, la troisième. Et voilà, je pense que quand Raikkonen aura observé son arrêt au stand, on aura donc la hiérarchie quasiment finale de ce Grand Prix. Attention Ricardo! La McLaren qui est en train de porter l'attaque, est-ce que ça peut passer? Oui, on voit que Van Dorn est à l'intérieur, on voit Ricardo qui conserve l'extérieur. Ouais, ça passe, Van Dorn au freinage des combes qui s'empare de la troisième place de ce Grand Prix de Belgique. Bien joué. L'asphalte devrait bientôt être sec, fais attention à ne pas abîmer tes gommes. Moi que c'était peut-être lui tout à l'heure. Ouais, le blocage de roue pour Van Dorn, et si Raikkonen a déjà stoppé, autant pour moi. Kimi Raikkonen qui est donc bien troisième de ce Grand Prix à la régulière. Belle performance du Finlandais qui en plus se permet de signer le meilleur tour en course de ce Grand Prix de Belgique. En tout cas, il reste 5 tours à couvrir pour Lewis Hamilton et il va peut-être faire un joli coup au niveau du classement général. La descente vers le raidillon avec Van Dorn. Il passe en 7ème, on n'ose pas encore passer en 8, il y a encore trop d'eau. Un nouveau jeu d'intermédiaire pour Magnussen. Et ça repart. Lui qui était resté un peu plus longtemps avec ses pneus pluie en début d'épreuve, ce qui explique le léger décalage dans sa stratégie. Alors retour avec l'explication pour le 3ème rang de ce Grand Prix de Belgique entre Raikkonen, Van Dorn et tout de même Ricardo. Et on est sur la même longueur d'onde du côté de chez McLaren, puisqu'on confirme que eh bien, on est sur les bons pneus, même si ça glisse. Retour couvert en tête pour Hamilton, vous le voyez, qui est en train d'aligner les tours qualifs. Et il y a une ligne droite des stands d'écart avec Rosberg derrière. Un peu plus loin sur cette piste de Spa, la lutte avec, vous le voyez, Raikkonen, qui est en train de perdre du temps. Ferrari n'est pas au mieux avec ses conditions intermédiaires. Et le tour le plus rapide pour Stoffel Van Dorn. Et bien ça n'était pas prévu dans l'histoire de ce Grand Prix de Belgique. Van Dorn qui s'empare du tour le plus rapide en 2.04. Et bien voilà, preuve qu'en intermédiaire, cette McLaren fonctionne bien.
Et le Rédillon, c'est désormais à fond de 7 pour tout le monde avec ces conditions. Regardez la sortie absolument superbe de la McLaren en lutte avec la Ferrari. L'autre Ferrari, celle de Sébastien Vettel, qui est en train de prendre elle aussi du recul au championnat, est en lutte avec Massa. Alors le Brésilien va-t-il résister avec la vitesse de pointe de sa Williams en haut de la montée du Kemmel? On verra bien. Est-ce que Vettel, blotti à l'aspiration, peut tenter sa chance? Il passe à l'extérieur, Vettel, il se touche! Vettel qui est allé toucher la Williams dans la montée du Kemmel, c'est extrêmement dangereux à cette vitesse-là, ils s'en sortent bien. Et Vettel qui passe, peut-être, oui, à l'extérieur, c'est fait. La Ferrari qui s'empare de la place du pilote brésilien, mais ils nous ont fait une de ces frayeurs dans la montée du Kemmel, c'est de là. Et Vettel qui est allé à l'extérieur, je pense pas que Massa s'attendait à voir la Ferrari de ce côté-là dans ses rétroviseurs. En tout cas, eh bien, c'est désormais fait. 18e tour de course, la lutte pour la 3e marche du podium. Est-ce que le Finlandais va la garder, cette 3e place, ou est-ce que Van Dorn va se jouer des coudes? Oh là, on a une explication là, c'est je pense Palmer avec Gutiérrez. Je sais pas pourquoi on nous montre cette explication là, mais je crois que c'est Grosjean, pardon, qui est passé devant Palmer. C'était bref, mais ça valait le coup d'œil, visiblement pour la réalisation. Alors, le Blanchimont, on va chercher le regard des Vendons qui va chercher un petit peu d'eau pour pourquoi pas refroidir ses gommes. Parce que là, la piste commence à être bien sèche, et si ça continue de la sorte, d'ici 2-3 tours, on pourrait, pourquoi pas, observer un arrêt pour aller chercher des pneus slick. Regardez ça, Van Dorn qui passe un peu à gauche dans la partie humide, à droite maintenant. Et oui, on va chercher l'eau, on commence à sécher, regardez, puisque voilà, ça bloque les roues. Bon, Stoffel là qui a perdu un petit peu de temps, mais il reste l'un des pilotes les plus véloces avec les Mercedes et les Red Bull, qui tournent très très vite, justement, les Red Bull. On va suivre celle de, je crois, Max Verstappen désormais, à la lutte avec Alonso. Alonso qui fait un Grand Prix absolument démentiel hein, pour l'instant. La deuxième McLaren qui n'a pas été à pareil fait depuis longtemps. Il est devant Max Verstappen. Ricardo étant devant. Alors Verstappen dans la descente vers le Rédillon. Regardez, il ne pleut quasiment plus ici à Spa. Les gerbes d'eau propulsées par les voitures ne sont que très légères sur les roues arrière. Ok, copy. I think I can catch him. Et les soucis pour Kimi Raikkonen. Et c'est dommage parce que là, il y a une réelle opportunité pour le pilote belge d'aller chercher un podium. Mais on sent que Raikkonen mérite ce podium, ne fût-ce que pour le classement général. Ce serait une petite catastrophe si jamais la McLaren venait s'intercaler entre les deux voitures phares de ce championnat, la Mercedes et la Ferrari. En tout cas, il va rester 3 tours. 3 tours avant Dorn pour aller chercher un podium devant ses très très nombreux fans ici à Spa. Je pense que si on devrait faire un concours à la podimètre, c'est quand même Max Verstappen qui gagne, hein, il n'y a pas de doute. Mais ils sont nombreux à être venu encourager Van Dorn, et s'il pourrait offrir un nouveau podium cette saison. On rappelle, hein, l'objectif du début de saison chez McLaren, c'était 3 podiums, on y est plus qu'arrivé. Alors, le freinage du bus stop, est-ce que Van Dorn peut tenter sa chance? Eh bien non, c'est Raikkonen qui reste devant, mais attention, le contact, Van Dorn qui va aller chercher Raikkonen à l'accélération. Il y a sans doute un problème sur cette Ferrari, on le sait du côté de chez McLaren, on a informé Van Dorn qu'il y avait un problème du côté de chez Raikkonen. Raikkonen qui garde l'avantage à l'intérieur à la source. Est-ce que Van Dorn ne peut croiser? Oh, attention sur le vibreur. Ils sont côte à côte. Il faudra aller voir ce qui se passe. Est-ce que oui? Ça y est, Van Dorn qui est passé alors que le public se lève dans la descente vers le Rédillon. Et Raikkonen qui a vraiment un problème parce qu'il perd beaucoup de temps. Regardez l'avance que prend Van Dorn, en même pas une ligne droite. Aïe, 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 c'est mal engagé pour Raikkonen. Est-ce que derrière, Ricciardo pourrait revenir au quatrième rang? Alors il faudrait se renseigner pour savoir qui fait l'interview sur le podium, parce que si Ricardo parvient à remonter 3ème, le choui va être normalement pour Mark Webber qui devrait faire les interviews. On verra bien. Mais ça s'annonce folklorique cette fin de course avec moins de 3 tours et 3 pilotes pour la 3ème place, avec un Belge qui veut marquer les esprits à domicile, un Finlandais en difficulté et un Australien revanchard. On croirait une mauvaise blague, mais non. Regardez, Raikkonen continue à perdre du terrain. Incroyable ce que cette Ferrari manque de fiabilité.
et de chance. Ah, drapeau jaune, que s'est-il passé? Il y a drapeau jaune du côté des combes. Ah, peut-être un problème. Drapeau jaune au freinage des combes, secteur 8, au niveau du poste de commissaire. On ne sait pas ce qui s'est passé. Écoutez, ça semble être revenu à la normale. Curieux ce drapeau jaune à cet endroit-là. Peut-être un tête-à-queue. Alors, on va penser un petit peu peut-être à monter des slicks. À deux tours de l'arrivée, ça semble présomptueux parce qu'il y a encore quelques gouttes qui tombent. Et voilà. Lewis Hamilton qui entame l'un des derniers tours de ce Grand Prix qu'il va plus que probablement remporter si la fiabilité est au rendez-vous. Et à Blanchimont, ils sont à 3. Et ça y est, Van Dorn a désormais Ricardo dans ses rétroviseurs. Est-ce que l'Australien va pouvoir aller chercher la McLaren? Rien n'est moins sûr en tout cas. Désormais, Raikkonen, la lutte pour la cinquième place sera au programme. On va tenter de conserver un top 5 chez Ferrari alors qu'on perd le podium à deux tours de l'arrivée. C'est un petit peu une catastrophe. Mais regardez, voilà, Raikkonen qui est désormais derrière Ricciardo. À bord avec l'Australien alors qu'on descend vers le raidillon de l'eau rouge dans l'avant-dernier tour de ce Grand Prix de Belgique. Est-ce qu'il peut aller chercher Van Dorn? Il est très rapide, Ricciardo. Oui, ça glisse quand même dans le raidillon. Avec Van Dorn désormais en caméra embarquée. Et ça ne peut pas passer, mais ça revient pour Ricciardo que l'on devine dans les rétroviseurs. Et attention au carburant pour Van Dorn. Attention au carburant. Ça risque d'être plus que limite. En tout cas, Ricciardo est désormais une réelle menace pour le pilote belge. Est-ce que l'Australien va de nouveau monter sur un podium cette année? Ce serait une troisième marche bien méritée, quel qu'en soit le pilote qui l'obtient, même si on a un petit faible ici pour Stoffel Vandoorne, qui devant son public pourrait ramener un podium avec une piste qui ne convient pas à sa voiture, avant peut-être le renouveau chez McLaren et ce moteur qui devrait évoluer pour Monza. Ultime évolution moteur cette saison. La quatrième place au classement des constructeurs et des pilotes pour l'instant bien engagés. Ouais, ça glisse pour Vandoorne, ça glisse beaucoup. Regardez la trajectoire qui est sèche désormais. Mais qui va risquer de rentrer monter des pneus slick? Je pense que pour l'instant ce serait une mauvaise décision parce qu'il y a encore beaucoup d'air. Regardez le train arrière des voitures qui glisse dans le chef des deux voitures. Regardez Vandoorne qui l'a perdu beaucoup de temps. Et je pense que Ricciardo va pouvoir passer. Ricciardo qui va revenir sur Vandoorne à l'extérieur. L'Australien qui s'empare de la troisième place du Grand Prix de Belgique. Autoritaire. Magnifique dépassement à l'extérieur à Blanchimont. À l'attaque, répondre à Ricciardo. Freinage du bus stop. Il plonge à l'intérieur. Le Belgique bloque les roues. Et il emmène l'Australien. Et Ricciardo qui est battu donc face à Van Dorn. Dernier tour du Grand Prix de Belgique avec une lutte incroyable. Voilà. Dernière boucle du Grand Prix de Spa-Francorchamps. Qui va terminer troisième? Le blocage de route, Van Dorn. Et tout le monde est debout dans les tribunes pour soutenir le pilote belge. Va-t-on assister à l'arrivée la plus serrée entre les deux pilotes? Rien n'est moins sur la descente avec Ricciardo en caméra embarquée avec l'Australien derrière. Dans le raidillon, obligé de freiner. Oui, Van Dorn plus que limite par rapport au bord de piste. La dernière ligne droite, on va protéger l'intérieur du côté de Van Dorn. On va chercher l'eau également pour refroidir un peu ses pneumatiques dans une piste bien sèche. Et on perd du temps évidemment. Maintenant c'est à la résistance que ça se joue. Raikkonen est décroché désormais. Donc la lutte pour le podium est bien entre ces deux-là devant. Et Lewis Hamilton qui est bientôt à la fin de son tour. Il va remporter le Grand Prix de Belgique. Mais derrière la lutte est intense au freinage de Bruxelles. Et Van Dorn qui bloque ses deux roues. Il part au large. Mais ça peut résister pour le pilote belge. Allez, deux secteurs à tenir pour le cours 13e. Et ce sera un podium au Grand Prix de Belgique pour un Belge. Je pense à ses prédécesseurs, hein, Thierry Boutsen, Philippe Adams, Jackie X, évidemment. Et l'alerte carburant sur la McLaren alors que devant, Lewis Hamilton va remporter le Grand Prix de Belgique. 25 points dans l'escarcelle du pilote britannique. Le dernier freinage, il a devant lui une manœuvre. C'est, je pense, Esteban Ocon qui va devoir conclure un tour supplémentaire. Et voilà, c'est fait. Victoire de Lewis Hamilton qui remporte le Grand Prix de Belgique. On va aller voir derrière peut-être, voilà Nico Rosberg qui malgré tout fait une bonne opération au championnat avec cette deuxième place doublée Mercedes ici à Spa. Et il faudra aller voir maintenant ce qui se passe, voilà à Blanchimont avec je crois Ricciardo qui est devant, voilà ils sont côte à côte.
Oh, et Van Dorn qui est repassé devant Ricardo avant le freinage du bus stop. C'était assez serré là, les deux. Et la troisième place donc pour Stoffel Van Dorn ici à Spa-Francorchamps devant son public. Formidable pour le pilote belge qui se bat depuis le début de saison. Bravo pour cette belle performance. Tu as très bien couru et tu as fait ce qu'il fallait. Bien joué. Et voilà la troisième place pour Van Dorn devant son public. Il la mérite, elle est belle celle-là. Une très belle victoire pour l'écurie Mercedes aujourd'hui. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Martin ? C'est la stratégie qui a fait la différence. Vous vous rendez compte que le travail sur le muret des stands permet d'optimiser chaque relais et de tirer le maximum des pneus ? Cela montre une fois de plus que le collectif est important. Mais une équipe parfaitement rodée ne fait pas tout. Pour gagner, il faut également s'appuyer sur le talent du pilote. À l'heure où je vous parle, les pilotes viennent récupérer leur trophée. Voilà encore de l'argenterie à rapporter à domicile, à Brackley, après un formidable Grand Prix. Et vous découvrez donc le résultat de ce Grand Prix de Belgique avec donc Lewis Hamilton devant Nico Rosberg et Van Dorn qui complètent le podium. Belle performance 7ème de Fernando Alonso. On notera également la 9ème place de Vettel qui remonte bien et la 10ème de Massa. Grosse désillusion pour Daniil Kvyat qui partait 3ème. Les points, c'est peut-être pour bientôt du côté de chez Haas avec Romain Grosjean. 12ème de ce Grand Prix. Esteban Ocon, le Français, termine 18ème devant Pascal Wehrlein. Félicitations aux Français pour son premier Grand Prix. Le classement général avec donc Nico Rosberg qui s'empare de la tête du championnat pour 5 points devant Kimi Raikkonen. Si le Finlandais avait terminé sur le podium, il en aurait été tout autre chose. 4ème place, confirmation de la bonne forme de Stoffel Van Dorn. En ce qui concerne le reste du tableau, eh bien pas de grosse évolution. Petite déception quand même pour les deux pilotes Red Bull qui passent derrière Sébastien Vettel. Il faut réagir du côté de l'équipe autrichienne. En ce qui concerne le classement constructeur après cette 13ème manche du championnat, c'est Mercedes qui mène, pas de changement devant Ferrari, Red Bull et McLaren qui désormais s'échappent bien de Toro Rosso et peut-être même McLaren pourrait aller titiller Red Bull au classement général. Ah, vous voilà. Écoutez, je suis pressée aujourd'hui, mais je voulais vous montrer ce contrat. Je vous laisse lire les détails, mais félicitations. Et vous découvrez donc avec moi la bonne nouvelle. Emma nous apporte le contrat. Nous sommes désormais premier pilote de l'équipe McLaren. Ce sera désormais à nous de porter les couleurs haut sur le podium. En tout cas, ça change pas mal de choses puisque désormais nous sommes bien installés dans cette équipe. Et pour l'année prochaine, c'est de tout à fait bon augure si l'on veut développer dans l'autre sens cette McLaren Honda pour pourquoi pas aller chercher le titre de champion du monde. En attendant, l'objectif est simple, c'est se diriger maintenant vers Monza. Et avant cela, eh bien, on va tout simplement procéder à la recherche et au développement de la voiture. On va faire évoluer le moteur de cette voiture. Une dernière évolution qui fera du bien. Merci d'avoir suivi ce Grand Prix de Belgique, 13ème manche du championnat. On se retrouve à Monza, on vous le promet, sous le soleil. Il y aura de la lutte et de l'explication. D'ici là, merci pour votre fidélité. Et on se retrouve très vite ensemble pour vivre de nouvelles aventures. Et à la prochaine, merci de votre attention. Salut !